Yo la gente, salut les gens, yo les gens. Alors, bon, alors changement radical, tournant de ouf dans ma vie. Je sais pas pourquoi cette cam, elle commence à me faire une drôle d'image, j'en sais rien, faut pas me demander les gens. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Ah bah ouais, bah. Donc vous allez dire, ouais, c'est parce qu'il s'est acheté un nouveau t-shirt de Lamb of God en XXL. Oui, bah écoutez, j'ai trouvé ça à la Gamara, c'est un des plus grands centres. D'habits pas cher en fait, fabrique d'habits carrément. Puis ça, c'est la marque Nacho Pop, c'est différent de la marque Maldito que je mets d'habitude. Je vais pas tout le temps acheter des t-shirts Sepultura, Metallica, je veux dire, voir d'autres groupes de trash, enfin, un peu changé, ça fait un peu metalcore et tout. Voilà quoi. Puis ouais, vous pouvez voir, il me va bien. Hein. Voilà. Mais c'est pas pour ça la vidéo, non. Non. Faut vous dire que bah, j'ai trouvé ma. Enfin, si j'ai dit ça en français, vous allez me dire, il veut dire que par là. J'ai trouvé ma demi-orange, je veux dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, j'ai trouvé ma moitié. Ah, alors j'ai trouvé sur Facebook comme les Millenium. Voilà. Puis oui, bah les Millenium, tu vois. Ouais. Mais attention, c'est une nana qui a avec elle c'est similaire au mien, qui l'a remis en question, qui a été bien élevée, qui kiffe le métal, qui kiffe ce que je fais. À qui je plais beaucoup mentalement et physiquement. C'est une nana qui a de la sagesse pour son âge. Je dirais que c'est assez impressionnant tout ce qu'elle fait. Elle est polyvalente et puis je sais pas quoi. Alors vous allez dire, ouais, non, il est fou. Bah, ouais, écoutez, j'ai remarqué que depuis quelques temps qu'effectivement, la nana parfaite pour un lion, ben, c'est Capricorne quoi. Et ouais, la belle-mère, elle est un peu folle des fois, mais bon, j'ai compris, là, elle m'a jamais viré jusqu'à maintenant. Enfin, presque bientôt viré. Non. Oh, je sais pas pourquoi c'est. Ça brille là, je sais pas. Je sais pas. Faut pas me demander pourquoi. Là. Je brille, je suis Jésus. Oh. Alors ouais, non, mais c'est avec ma belle-mère, je me suis toujours entendu sur pas mal de choses. Hein. On est dans la même longueur d'onde pour pas mal de choses. Mais c'est surtout là mon ex qui faisait plus chier qu'autre chose. Alors maintenant, moi hier j'ai une dame où je bois toujours mon soda le soir. Ma bouteille en verre. C'est un petit clin d'œil à Gouvagé, si un jour il voit cette vidéo. Alors ouais, c'est une bouteille qu'ils appellent la gourde. Elle fait plus d'un demi-litre. Voilà. Et puis bah toujours elle m'a dit, ouais, vous êtes de la même marque, toujours Inca-Cola, tout ça. Vous changez pas, vous êtes comme moi. Voilà. Un jour, hier, j'ai demandé, oh, vous êtes Kissing Astral. Ouais, je suis Capricorne du mois de janvier, du premier début janvier. Ah ouais, bah, comme ma chef, comme ma patronne. Et puis votre mari, il est de. Ah, mon mari, il est mort. Il est décédé en 2017, mais j'ai eu les meilleures 50. Enfin, j'ai eu 50 années de mariage avec lui, c'est ce qui a eu lieu. C'est un lion. Ah, c'est lion. Mois de juillet, août. Ah, mois d'août. C'est là que j'ai compris qu'en fait, pour les lions du mois d'août, ce qui va le mieux, c'est. Capricorne du mois de janvier, puis pour ceux du mois de juillet, ben les Capricornes du mois de décembre en fait. Alors bon bah pour le moment je vais pas donner de nom hein, à cette nana que bah, j'aime beaucoup. Enfin, je pourrais être presque tomber amoureux d'elle, la vérité. Je suis presque en train de. Mais bon, ça se construit, vous savez. Mais oui, je la kiffe à mort. Et puis oui, je fais des trucs. Du sexe calme, ouais, je fais des trucs, voilà. Elle aussi, elle fait des trucs, elle est généreuse, elle est comme moi. Voilà. Puis on passe pas mal de temps. Voilà, alors vous voyez, je suis content. Je dis, il est cool le gars. Il est content. Vous voyez, je vois bien là, non? Je suis radieux. Imaginez, moi je vais être avec elle. Alors après, ce que je vais vivre là-bas, c'est ça le problème. Il faut avoir ça du taf. Puis bon, vous savez, le prix du car pour aller là-bas. Ouais, ça peut tirer l'écouteur. Ça coûte pas mal quand même. Hein. Voilà, c'est quand même pas gratuit les gens. Voyez. C'est pas gratuit, c'est ouf, faut compter quoi. Facilement, aller-retour, un petit 180 soles, un petit 200. Alors oui, c'est moins de 100 dollars, mais quand même. Faut y aller une semaine, faut voir où je peux loger. Si je peux loger chez elle ou est-ce que je peux loger ailleurs, tu vois, je viens encore chez ses parents, tu vois.
Mais c'est elle qui les maintient pratiquement. Voilà, donc. Voilà, je sais pas, moi, en fait. Mais ouais, je suis content, je suis heureux, je suis bien. Voilà, je suis bien. Le petit Joseph Ra, il est bien. Il est content pour une fois, il n'est pas en train de se plaindre et d'être négatif. Voilà, c'est cool, non? Voilà. Vous voyez, alors moi, ça commence maintenant ma belle année. Hein. En février, pas en janvier, quoi. Ma belle année 2020. Puis oui, je suis allé me baigner, c'est vu dans mes photos Instagram, je suis allé me baigner avec une amie Lyon, qui bah, elle n'est pas restée longtemps, elle est restée 2 jours. Elle est retournée dans son bled avec son connard, là, dans un bled de merde. Celle que moi j'ai, en fait, elle habite dans une ville qui s'appelle Arequipa, dans le sud. C'est un peu comme la Suisse, plus ou moins, la même hauteur. Puis, ouais, il peut faire froid comme en Suisse, c'est vrai. Mais bon, ma foi, voilà, faudra voir s'il y a du boulot là-bas. En attendant, je voyagerai, qu'est-ce que je fasse. Voilà, quoi. Et puis, je pense qu'elle est assez fidèle, je suppose. Voilà quoi. Surtout que là-bas, un gars comme moi. Ah oui, alors là, je suis très exotique, c'est pas comme à Lima. Hein. Elle va se la péter avec un mec comme moi. Mais elle est bonne, hein. C'est une nana, elle était amphitryonne, tout ça, c'est pas pour rien. Hein. Ouais, bon, elle est aussi maquilleuse, elle est polyvalente. Faites tout quoi. Voilà quoi. Mais bon, je suis aussi affecté par la crise. C'est pour ça que je lui ai dit, il faut vivre au jour le jour pour. Faut qu'on profite de vivre et tout, mais c'est vrai qu'il y a une grosse différence d'âge, mais bon, après, c'est dans la sagesse, c'est pas hein, la maturité, c'est pas l'âge. Hein. Puis moi, je fais plus jeune, hein. Je fais pas 38 ans. Voilà, quoi.